Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur TV7 pour une nouvelle heure d'infos en direct avec au programme notre invité. Et ce jeudi, quatre parlementaires vont remettre un rapport explosif. Il remet en cause la dangerosité du glyphosate. Selon cette étude, les substances qu'il contient seraient moins cancérigènes que la charcuterie. On en parle avec Dominique Teicher, le secrétaire départemental de la Confédération paysanne, engagé dans la lutte contre les pesticides depuis plusieurs années. Et puis le sport, comme tous les lundi, et comme il n'y a pas que le foot dans la vie ce soir, Bastien Loquet nous parle de vélo et de la Médocaine VTT, une grande balade à travers les vignobles qui se prépare. Elle a lieu à la fin du mois. Et puis Top Rugby reçoit ce soir les Sangliers de l'US Sal. Ils se sont brillamment qualifiés pour les huitièmes de finale de Fédéral 2. Mathieu Dalzovo les met en lumière ce soir à 18h40 dans Top Rugby. Tout de suite, les titres de l'actualité. Une journée compliquée pour les usagers des transports en commun bordelais. Ils ont dû s'adapter aujourd'hui face à la grève des conducteurs de tramway. Ils protestaient contre leurs conditions de sécurité après l'agression d'un agent la semaine dernière. Face à la concurrence d'autres salons et à la baisse des ventes à l'export des vins de Bordeaux, la 20e édition de Vinexpo cherche à se relancer. Nous irons au salon professionnel qui a ouvert ses portes aujourd'hui pour comprendre les enjeux de ce renouveau. Bientôt, une mosquée de fois plus grande à ce nom. C'est aujourd'hui que commençaient les travaux de doublement de cet édifice religieux, un chantier entièrement dépendant des dons de particuliers. Et la météo, une journée estivale. Demain, grand soleil qui va briller sur tout le département et des températures en hausse. Il fera jusqu'à 23 degrés à Bordeaux et 21 à Lacanau. Trafic perturbé aujourd'hui sur le réseau des transports en commun de l'agglomération. 20% des conducteurs, en majorité de tram, ont déclenché un mouvement de grève spontané suite à une agression, profitant ainsi d'un préavis de grève de la CGT, mais pour d'autres motifs. Une bonne centaine d'entre eux s'est rassemblée en début d'après-midi devant le siège de Keolis pour alerter sur leurs conditions de sécurité. De son côté, la CFDT a lancé une alarme sociale. Dominique Parmentier. Pas de perturbation sur la ligne C, Vinexpo oblige. En revanche, un tram toutes les 7 ou 15 minutes sur les lignes A et B et de 6h30 à 20h30 seulement. Voilà le plan de transport mis en place par Keolis suite au mouvement de grève spontané lancé sur les réseaux sociaux à la manière des gilets jaunes et suivi par quelques 200 conducteurs. À l'origine, l'agression d'un de leurs collègues dimanche dans une rame porte de Bourgogne. C'est un conducteur qui était avec les voyageurs, qui venait finir son service et qui a été pris à partie par deux personnes qui empêchaient les gens de descendre et de monter du tramway. Donc il leur a gentiment demandé de sortir les jambes pour laisser passer les gens et ça ne leur a visiblement pas plu. Donc ils l'ont roué de coups. L'agression d'Alfonso a été la petite goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Nous craignons pour notre sécurité ainsi que pour la sécurité des voyageurs. Donc nous demandons plus de moyens dédiés à cette sécurité et qu'on puisse faire notre travail tout simplement dans les règles, hein, tout simplement. Qu'on ne parte pas au travail avec certains partent au travail avec la boule au ventre. La direction reconnaît la gravité de l'agression, sa violence, mais affirme que leur nombre a diminué de 27% entre 2018 et 2019, grâce notamment aux moyens mis en œuvre. On a, nous, une équipe de 127 personnes qui consacrent leur temps et leur journée à la sûreté et au contrôle sur l'ensemble du réseau. Et nous avons également des contacts très, très proches avec la police nationale. Donc, on a des résultats intéressants puisque en moyenne, on intervient en 12 minutes sur les lieux d'une agression, d'un incident ou d'un accident. Mais pour les syndicats, qui étaient tous déjà montés au créneau sur ce sujet début mars, suite à d'autres agressions, les moyens ne suffisent pas. On se plaît à dire qu'on a une augmentation de la fréquentation de plus de 20%, mais nos effectifs sont constants, les effectifs de police des transports aussi. Profitant de ce mouvement inédit, la CFDT a décidé de lancer une alarme sociale. Ça fait plus d'un an qu'on demande à la préfecture de nous recevoir pour parler de sécurité. Là, il a suffi de déposer une alarme sociale, qui est un mouvement spontané de conducteurs, pour qu'on ait une date du 16 de rencontre avec la préfecture. Tous les syndicats se retrouveront donc autour d'une table jeudi avec Bordeaux Métropole et Keolis. En attendant, le trafic reprendra normalement ce mardi sur le réseau.
Et dans l'actualité également, un week-end meurtrier hein, sur les routes de la Gironde, alors que la préfecture se félicitait la semaine dernière d'une baisse de la mortalité en voiture en ce début d'année. Ce sont 4 personnes qui ont trouvé la mort ce week-end, toutes dans des circonstances différentes. Les élections européennes approchent. On connaît désormais les 34 listes candidates pour voter dimanche 26 mai. Il faut être bien sûr inscrit sur les listes électorales et regarder les horaires des bureaux de vote selon votre commune de 8h à 20h pour Bordeaux et Bègles, 8h, 19h pour la plupart des communes de la métropole et de 8h à 18h pour les autres communes de la Gironde. Vinexpo, à la recherche d'un nouveau souffle ce lundi matin, les portes du Salon professionnel international dédié au vin se sont ouvertes au Parc des Expositions de Bordeaux, une 20e édition qui va durer 4 jours avec un modèle renouvelé pour tenter de faire face à la concurrence qui s'est accrue ces dernières années. Franck Poirot. La 20e édition de Vinexpo Bordeaux, le salon professionnel consacré aux vins et spiritueux, vient d'être lancée ce lundi matin dans une version resserrée. Il n'occupe plus que 2 halls sur les 3 que compte le parc des expositions de Bordeaux-Lac. Fini le temps du gigantisme et de la démesure, Vinexpo, qui affichait dans ses éditions précédentes tous les superlatifs, se veut aujourd'hui premium. L'idée de privilégier le relationnel entre les exposants et les visiteurs, acheteurs de vins venus de toute la planète. Pour les caves de Rozan, le plus gros producteur de Bordeaux de toute la Gironde, Vinexpo reste incontournable. Il permet à cette cave coopérative de rencontrer ses clients étrangers, russes, asiatiques ou nord-américains en quelques jours. Pour nous, c'est une vraie opportunité que Vinexpo se tienne à Bordeaux. Beaucoup plus facile pour nous, même si ça a un coût très significatif. Plus facile pour nous d'avoir les collaborateurs sur place, c'est facile pour nous d'amener des clients jusque sur notre production. Donc c'est une chance aussi unique, hein, faut le reconnaître. Hein. C'est un peu opportuniste. Mais au niveau du monde, il y a une signature Vinexpo qui est différente des autres salons. Vinexpo compte cette année 1600 exposants venus d'une trentaine de pays. Lors de l'édition 2017 qui avait eu lieu au mois de juin, certains d'entre eux s'étaient plaints d'une déconnexion totale de Vinexpo avec l'agenda commercial des acteurs de la filière. Trop tard dans l'année, Vinexpo a donc été avancé d'un mois cette année. Pour certains exposants comme ce négociant spécialisé dans le grand export, les dates du salon sont encore perfectibles. Je ne cache pas qu'on est un peu inquiet sur le long terme parce que on a quand même nettement moins de clients qu'on ne l'espérait. C'est-à-dire que la proximité de la semaine primeur semble poser un petit peu de problème à un certain nombre de nos clients qui disent bah oui, on va quand même pas revenir tous les 8 jours à Bordeaux. Donc voilà, il y a sans doute un sujet à voir de ce côté-là. Pour cette édition, Vinexpo a étendu considérablement l'espace réservé aux vins bio. 150 producteurs bio venus de 9 pays viennent faire déguster leur production. Un symposium, réunion regroupant des spécialistes, sera organisé sur les conséquences du réchauffement climatique sur la production de vin. Pour le président de Vinexpo, le salon doit conforter sa place de rendez-vous incontournable du business et du relationnel entre les différents acteurs de la filière. On a vu un négociant bordelais qui vient de vendre 150 000 bouteilles au Japon à 10h30 ce matin. Donc là, on est content parce qu'on a rempli notre rôle. Vinexpo, c'est une société de business, ne l'oublions pas. C'est une édition de test dans le sens où on passe à une autre dimension, une autre approche des salons. Cette nouvelle version de Vinexpo lui permettra-t-elle de renouer avec le succès, de retrouver sa place de leader mondial de ce type d'événement? Réponse dans quelques jours, Vinexpo doit refermer ses portes jeudi 16 mai. Voilà, et le salon Vinexpo, on y retournera demain soir à l'occasion d'une émission spéciale à suivre à partir de 18h sur TV7. Et la question des pesticides, c'est bien sûr invité au cœur de ce salon professionnel du vin. Un rapport parlementaire qui doit être publié jeudi fait polémique aujourd'hui. Il affirme qu'aucune preuve de cancérogénicité n'a été trouvée pour le glyphosate. Écoutez la réaction des élus ce matin. Alors effectivement, c'est un rapport qui n'est pas encore sorti. Donc pour l'instant, ça fonctionne sur des rumeurs. Je pense que les propos de mon collègue Medviel sont plus que maladroits. Si effectivement, il n'y a pas de preuves scientifiques pour l'instant, il y a des craintes. Et je pense que ce n'est pas en parlant ainsi que l'on peut réconcilier effectivement le glyphosate avec la population. Il ne convient pas aujourd'hui concilier les riverains avec le glyphosate. Il faut effectivement que l'on arrive à savoir la vérité par rapport à la problématique cancérigène ou pas. D'abord, je ne sais pas si les parlementaires sont plus compétents que les spécialistes scientifiques sur le rôle cancérogène du glyphosate.
Ça me semble surprenant. Surprenant, vous avez vu que la semaine dernière, Monsanto s'était fait prendre aux pattes parce qu'il avait fait détecter les journalistes, les élus, les politiques qui étaient plus ou moins favorables au glyphosate. Donc méfions-nous. Alors, on va reparler de ce rapport parlementaire qui doit être rendu jeudi dans un instant avec notre invité. Et puis d'abord, direction Senon, où ont débuté ce matin des travaux d'agrandissement de la mosquée. Un doublement de surface nécessaire devant l'affluence de fidèles toujours plus nombreux. Reste à boucler son financement entièrement soumis aux dons privés. Reportage avec Christophe Chavanou. Derrière la façade calme de la mosquée de ce nom, le résonnement du marteau-piqueur marque le début des travaux d'extension de ce bâtiment, devenu trop petit pour accueillir les plus de 800 fidèles qui fréquentent l'édifice cultuel, notamment le vendredi soir. C'est un projet qui a pour capacité presque de doubler un peu la surface de la mosquée pour répondre justement aux besoins réels de manque de place aujourd'hui. On estime avec ce projet de résoudre en grande partie ce problème d'incapacité que nous avons aujourd'hui. Un doublement de surface qu'il faut financer avec les dons, soit 950 000 euros. À l'heure actuelle, ce sont près de 180 000 euros qui ont été récoltés et qui permettent de débuter les travaux dans cette période stratégique de Ramadan afin de sensibiliser les fidèles de la mosquée. Le projet il est financé à 100% par les fidèles, donc on ne fait que des quêtes de fonds. Hein, donc il y a une campagne de quêtes qui sillonne un tout petit peu les mosquées de la région, et voire plus. Donc aujourd'hui, on est en capacité de commencer le gros œuvre. Le gros œuvre, c'est-à-dire tout le bâtiment, entre guillemets, en béton. Et après, on avance au fur et à mesure de l'évolution de l'enveloppe financière. À partir du 17 mai, ce sera dans le gymnase de la Maregue, mis à disposition par la mairie, que se déroulera la prière du vendredi soir. Là, on va parler sport, bien sûr, avec le rugby, notamment avec vous, Mathieu Delzovou. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on sait que c'est un match important qui attend l'UBB ce week-end, qui reçoit donc Toulouse au stade Chaban. On sait que ça va pas très fort pour l'Union en ce moment. Ouais, non, effectivement, c'est plus un match de gala, on va dire, pour l'Union Bordeaux-Bègles, qui mathématiquement peut encore se qualifier pour le top 6. Mais enfin, c'est vrai qu'en perdant les dernières rencontres, c'est un match de gala parce que c'est le stade toulousain, parce que c'est le dernier match de l'Union Bordeaux-Bègles de la saison régulière, donc au stade Chaban-Delmas, parce que c'est Toulouse, parce qu'on fêtera les 50 ans du titre aussi du CA Béglé. Et je vous parlais du classement, vous le voyez, donc l'UBB qui est 9e avec 57 points, 7 points de la 6e place. C'est vrai que ça devient une mission impossible pour l'Union Bordeaux-Bègles. Pour ça, il faudra assurer les deux derniers rendez-vous, celui contre Toulouse dimanche au stade Chaban-Delmas, en l'emportant si possible avec le bonus offensif, et après aller voir du côté de La Rochelle pour le dernier match. Mais c'est vrai que clairement, pour l'instant, on ne peut pas dire que Lyon Bordeaux-Bègles soit en position de ballottage favorable pour la qualification. Ça restera quand même un gros match, bien sûr, puisque c'est le leader, le stade toulousain, qui vient à Chaban-Delmas. C'est le voisin toulousain, donc il y aura une belle ambiance. Les phases finales, par contre, il y a une équipe qui, elle, y est déjà. C'est l'US Salle, qui a brillamment passé les 16e de finale pour se retrouver en 8e de finale. Là, on parle de Fédéral 2 avec les Sangliers, qui sont donc qualifiés haut la main face à l'équipe de Saint-Julien. Ça sera un peu plus compliqué, pour les Salois ce week-end, ce dimanche, un match aller-retour face aux Basques de Mauléon, une équipe qu'ils connaissent bien. Et en cas de victoire, de qualification pour Salles, ce serait la montée en Fédéral 1. Donc voilà, il y a beaucoup d'enjeux autour de ces rencontres. On va en parler ce soir dans Top Rugby. Il n'y a pas de rugby pro, vous savez, on aime bien s'intéresser au rugby amateur. Et donc ce soir, coup de projecteur sur l'US Salle qui prépare ses 8e de finale. Voilà, c'est donc tout à l'heure à 18h40, un peu après ce journal. Merci beaucoup, Mathieu Delzovou. Un mot de football aussi, c'était le 5e revers consécutif pour les Girondins ce week-end. Les Bordelais se sont inclinés à Lille, 2e au classement de la Ligue 1. Score final 1-0 pour les Lillois qui se qualifient donc pour la Ligue des Champions. Les Marinés Blancs, 14e au classement, n'avaient pas connu pareille série noire depuis 1961.
2011. Et il est encore temps de prendre vos places pour le festival ODP de Talence. La 5e édition aura lieu au parc Pexoto du 6 au 9 juin prochain. On connaît désormais l'intégralité de la programmation qui n'a rien à envier au plus gros festival. Tété, Eddy de Préto, Necfeu ou encore The Avener seront de la partie. Comptez 41 € le pass d'une journée et une centaine d'euros pour les 3 jours. Et tous les bénéfices iront en plus aux orphelins des sapeurs-pompiers. Et attention à ne pas vous laisser surprendre par cette fermeture du pont Chaban. L'ouvrage se lève demain entre 15h30 et 18h pour laisser passer un paquebot. Et vous restez avec nous sur TV7 et tout de suite on se retrouve pour parler de ce rapport parlementaire explosif qui doit être présenté jeudi. Il remet en cause la dangerosité du glyphosate. On en parle avec notre invité.